Une troisième grossesse et des contractions de plus en plus intenses. Ouais, devant la maternité de Cahors, une femme est sur le point d'accoucher. Elle craint de ne pas tenir jusqu'à la salle de naissance. Je vais appeler l'ascenseur, moi. Emma franchit enfin les portes de la maternité. Lors de sa dernière grossesse, elle a accouché le long de la départementale sur la route de l'hôpital. J'aurais dû s'arrêter. Vous êtes arrêtée où, Diego ? Partout. Partout. La dernière fois, on s'est pas arrêté. J'ai accouché à la Roque des Arcs. Là, on s'est arrêté partout. Comment il va s'appeler ce bébé ? Tao. Tao. Allez, on y est presque là. Emma n'est pas un cas isolé. La maternité de Cahors est la seule du département et les femmes viennent de plus en plus loin pour y accoucher. Bon, on a une maman qui gère super bien ses contractions. Ça, c'est clair. Elle dit rien. Trop stressée. C'est super bien ce que vous faites. Ce qu'on peut vous proposer, c'est le masque. Hein, vous savez, respirer le gaz qui peut vous diminuer un petit peu la douleur des contractions si vous souhaitez. Et est-ce que je peux regarder le col ? Mettez-vous un petit peu vers moi. Voilà. Oui, la poche des os, je la sens bien. Votre bébé, il bouge beaucoup, il est super bien positionné. Et on est à 9 cm, donc l'accouchement va pas tarder pour cette maman. Emma ne voulait pas de péridurale. Heureusement, car l'accouchement est imminent. Il est trop tard pour la poser. Dites-moi ce que vous sentez. Ça pousse en bas. Elle sourit quand même. On installe tout comme ça. C'est toujours ça de fait. Là, elle pousse. Allez, n'ayez pas peur de ce qui se passe en bas. Il est bientôt là, votre bébé. Ne poussez plus, Emma. Emma, on arrête de pousser. On pousse plus, on pousse plus. Voilà. Eh ben, dis donc, il y en avait, oui, du liquide. On le savait. C'est fini, Emma. Allez, félicitations, Mickey 18. Emma, enlevez le masque, regardez-nous. Il est là, Tao. Regardez. Voilà. Tout s'est bien passé. Voilà. Fais attention. Ça, c'était une sortie rapide. Est-ce que monsieur voulait couper le cordon ? Pareil, c'est ça. On a des ciseaux qui sont pas toujours top. Félicitations. À quelle heure il est né du coup ? Parce que moi j'ai raté l'heure. 12h18. Donc une demi-heure après votre arrivée à la maternité, même pas. 20 minutes. Bon, mais si toutes elles accouchaient comme ça, ce serait génial, non ? Ben, il est tout rose. Hein ? Ah oui, il est revenu. Il a des longs cils. Il essaye de venir les yeux. Élodie ne veut pas interrompre les présentations. Mais Tao gémit, visiblement gêné. Ce bébé, il a bu la tasse. Donc je lui aspire un petit peu le liquide amniotique qu'il a dans l'estomac, qui va le gêner un petit peu à déplier aussi ses alvéoles. Voilà, pas trop. Venez, monsieur, regardez comme il va bien. Je vois. Je l'ai aspiré un petit peu parce qu'il a recraché énormément de liquide. Et je lui ai raccourci son cordon ombilical. C'est tout. Et ensuite, on lui a parlé et tenu au chaud. Les contractions, quand la maman est en travail, ça permet au bébé de faire sortir de ses poumons le liquide qu'il a emmagasiné pendant toute la grossesse. Lui, il n'en a pas eu beaucoup de contractions. Enfin, elle en a eu des fortes, mais sur un temps court. Donc, en fait, il est né avec encore un peu de liquide dans les poumons. Donc, il doit, lui, tout seul, s'en sortir. Comme tous les nouveau-nés, Tao doit être surveillé 2 heures en salle de naissance. Il ouvre déjà les yeux. C'est toujours émouvant, oui, toujours. Toutes ces journées qui sont jamais pareilles, tous ces couples qui sont tous différents, ces bébés qui sont toujours beaux à voir, voilà, et les couples qui sont toujours très reconnaissants de notre travail, et ça, c'est très enrichissant aussi. Enfin, ils nous remercient toujours, on fait partie d'un moment unique dans leur vie. Surtout des toutes petites manches comme ça, et des mains comme les miennes. On oublie hein, comment c'est si petit. Ouais, ouais. Bah, ça fait plaisir de voir que tout va bien. Vous trouvez comment votre bébé est là ? Magnifique. Il est très calme, ouais.
Si la naissance est un heureux événement, c'est aussi un moment risqué dans la vie d'une femme et de son bébé. Valérie est enceinte de 8 mois et demi. Elle doit être hospitalisée ce soir et elle n'a pas l'esprit tranquille. Demain, il faut juste que je sois prête pour quelle heure du coup ? Ce sera vers 8 heures que vous soyez prête. Son bébé se présente en siège. Elle n'a pas voulu risquer un accouchement par voie basse. Elle a choisi la césarienne à contre-cœur. Tout à l'heure, elle a dit que c'était des interventions qui se faisaient tous les jours, de deux jours, que ça allait bien se passer. Mais bon. Après, ça reste quand même une intervention. Donc, on a toujours un peu d'appréhension. Cette césarienne l'obsède. Valérie ne fermera pas l'œil de la nuit.